Le papillon de Karine. Le papillon de Karine. Karine entre dans la cour de l'école et court rejoindre son amie Anne. Karine, crie Anne, ton papillon est sorti de sa chrysalide. Viens voir. Les fillettes courent vite dans leur classe. Le papillon ouvre et ferme ses magnifiques ailes noires et orangées. Est-ce qu'il va s'envoler maintenant? Dit Karine. Oui, dit Louise l'enseignante. Il va s'envoler par la fenêtre. Le papillon bouge ses ailes encore une fois, mais il ne s'envole pas. Il commence à glisser de la chrysalide. Oh non, crie Anne, le papillon va tomber. Le papillon tombe sur le bras de Karine et il reste là. Il ouvre et ferme ses ailes encore une fois. Il essaie de voler, dit Karine. Je vais l'emmener dehors. Les deux fillettes marchent lentement dans la cour de l'école. Le papillon ne bouge pas. Il reste sur le bras de Karine. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dit Anne. Karine se met à courir. Le papillon bouge ses ailes, mais il reste toujours sur son bras. Il ne peut pas voler, dit Karine. Karine regarde les enfants qui jouent sur la glissoire. Karine grimpe en haut de la glissoire et elle glisse. Le papillon ouvre ses ailes et il s'envole dans le vent. Il s'envole, crie Anne. Mon papillon peut voler, dit Karine, et je l'ai aidé.